Lors de l'épreuve de descente, Alexis Pinturault était en équilibriste, à près de 130 km par heure. Puis, au moment de l'épreuve du slalom, il a montré toute son agilité et sa technique. Il a été sacré champion du monde du combiné à Åre en Suède, comme une démonstration de sa polyvalence. C'est une première depuis 37 ans pour le ski français. À midi, le skieur de Courchevel, Savoie, se lance dans la pente avec l'envie de dévorer le chronomètre. La descente n'est pas sa spécialité, mais il limite la casse. Il termine 24e. Il a 1,52 secondes à rattraper en slalom, son point fort. L'épreuve du slalom géant vendredi 15 février. Triple médaillé olympique, Alexis Pinturault a souvent craqué sous la pression au championnat du monde. Mais aujourd'hui, nul ne pouvait mettre au piquet le meilleur élève du ski français. Un sans faute, et le voilà titré. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait depuis le début de saison que je tourne autour et que je me dis que peut-être cela payera le moment où il le faudra, confie-t-il. Alexis Pinturault, 27 ans, sera de nouveau sur les skis vendredi 15 février pour le slalom géant.